Salut, c'est Kayana et on continue sur Destiny 2. Alors la dernière fois on avait été chercher Cade sur Nessos et cette fois-ci on va aller chercher qui c'est qu'on va aller chercher Ikora sur Io, donc sacrilège, Oasis perdue, Messa de l'écho. Depuis qu'elle a perdu sa lumière, Ikora a de nombreuses questions. Elle n'a pas l'intention de quitter Io sans y trouver de réponse. Allez, c'est parti. Donc j'ai fait un petit peu de farm entre-temps, donc je suis niveau 20. Et je sais aussi qu'il y a le... Ah. Ce lieu tout entier résonne d'énergie qui reste de l'œuvre inaccomplie du voyageur. Pas étonnant que les gardiens considèrent ce lieu comme sacré. Maintenant que Cade est de nouveau opérationnel, nous n'avons plus qu'à trouver Ikora pour reformer l'avant-garde et détruire le Tout-Puissant. De tous les lieux que j'ai visités depuis ma renaissance, je ne pensais pas me retrouver ici, au dernier endroit où le voyageur s'est posé. Je suis venu en quête de réponse, mais je n'ai toujours rien trouvé. Ikora, Zabala est en train de former une résistance, et il pense que... À quoi pourrait bien servir une résistance si vous êtes la seule qui survivrait? Je pense que ce monstre, Ghaul, sait que ce lieu a été béni par le voyageur. Je pense qu'il a envoyé sa légion ici pour y trouver quelque chose qu'il ne pourrait jamais comprendre. Et je pense qu'il continuera à profaner tout ce que nous tenons pour sacré. Sauvez ce lieu, gardienne. Ne gaspillez pas cette seconde chance. Alors, déterminer ce que fait la Légion Rouge sur Io. Ouais. J'allais dire que ce week-end, donc le week-end du 29 et 30 septembre et du 1er et du 2 octobre, il y a le marchand d'artefacts. Le mec qui vend des armes. Mince, je sais plus. Des armes exotiques, voilà. Qui est sur Io, donc on va faire la première mission d'Ikora. Et on va essayer de le chercher après. Donc il faut aller où? Par là. Regardez dans le ciel. Ikora, qu'est-ce que c'est? C'est l'énergie. L'énergie du voyageur. Comment tu le fais? C'est ma faute. J'aurais pu empêcher ça. C'est impossible, Ikora. Grâce à votre lumière. Je vaux plus que ma lumière. J'aurais pu essayer. J'aurais dû essayer. Mais après toutes ces années à mourir, renaître et mourir encore, le voyageur
voyageur ne m'a laissé qu'une seule vie. Et j'ai peur de la perdre. Et ça reste une possibilité. Gaul a une arme capable de faire exploser notre soleil. Les gens semblent préparer une cargaison, Ikora. Essayez de découvrir de quoi il s'agit. Toutes les demandes d'informations que vous trouvez vont apprendre. Quoi? Pourquoi détruire des outils de ces acteurs malades à conquérir? On est dans la base. Bien sûr, vous comprenez les réponses. Ah, ou les derniers? No. Tout le monde est parti. On continue à chercher. Les cabales ne sont pas du genre à abandonner une base dans laquelle ils ont tellement investi. Ça s'approche d'une énorme foreuse. Une foreuse? Est-ce qu'ils essaient d'extraire l'énergie du voyageur? Non. De la lumière, c'est impossible d'en tirer autant de voyageurs, autant pour Gaul que pour moi. Où est-ce possible? Ikora? Que voyez-vous? Je ne sais pas. Des failles dimensionnelles et d'autres sortilèges. Des corrompus. Des grosses taches sur le mur? Ah ouais, alors eux, c'est mes préférés. Une munition. Bon. Ah, il y a un monsieur là-bas. Ah, laissez-moi ramasser les munes. Casse-toi. C'était quoi cette chose? Les corrompus. Une armée d'âmes dérobées sans but. Ils seront toujours attirés par l'énergie des voyageurs. Ce ne sont plus des déchus ou des cabales. Un dieu de la ruche les a transformés grâce aux pouvoirs obscurs qu'il avait volés. Il... Attendez, n'est-ce pas?
a justement le plan de Gaulle, mais avec la lumière. C'est sûrement ça. Ah putain, je vois rien du tout. Sont où? Allez, viens, viens, viens. Hop là. Ah, ils sont casse-pieds, eux. Il en reste un haut. Voilà. Un peu. Ah si, encore. Si Gaulle devient immortel, ça va être compliqué là. What? Oulé. Alors, c'est pas grave. Venez, 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 et viens, hop. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Une arme? C'est quoi? 222? Oh, une grosse bobole. Immunisé. Avance. Voilà. Ça. Les corrompus invoquent une sorte de portail. C'est elle qui peut buter, c'est elle qui les appelle. Ensuite, ils sont là. Il y en a une autre. Hop, hop. Toi, c'est fini. Ah, hé hey. Non, ça, ça explose pas. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui reste? Vous? Oh, un gros. Où il est? Viens, j'ai des bonbons pour toi. Non mais cassez-vous.
Waouh. Voilà. Remonte, remonte la vie, s'il vous plaît. Voilà. Le portail est fermé, c'est bon. Laura, je sais que ce lieu est important pour vous, mais... Il n'y a rien qui me retienne ici sur Io. Il ne me reste qu'une seule vie. Et je suis prête à la donner pour arrêter Gaulle. Partons immédiatement. Ne confondez pas vitesse et précipitation. Pareil, il faut qu'on parle. Quant à vous, gardienne trop curieuse, j'ai quelques mots à vous dire. Trop curieuse? Pourquoi trop curieuse? Pas de coffre. Donc, qu'est-ce qu'on a eu? Un revolver? Je suis pas fan des revolvers. C'est tout? Allô, voilà. On va aller chercher. On va aller là. Hop. Que c'est par là déjà. C'est par là, mais c'est très très loin. Alors... C'est bon. Voilà. On va prendre ça.
Ouais, du violet. Hop. Où est-ce qu'il est? Dans la grotte. Bonjour, monsieur très très moche. Des neufs. Alors, équipement exotique. J'ai pas assez. Les chasseurs, c'est pas pour moi. Eh ben, j'ai pas assez. Hein. Bon, on sera venu le voir, hein, c'est pas grave. Vous n'avez peur de rien, Titan. Je vais prendre ça. Je tends du haut. Alors, qu'est-ce qu'on a eu hein? Fusil à fusion, ouais, j'aime pas les fusils à fusion, c'est un peu trop lent à charger. Oui. Alors. Ici. Achermir pense savoir comment s'y prendre avec le Tout-Puissant. Retrouvez-le dans la rupture. Cependant, nous possédons ici les restes d'un ancien réseau de défense interplanétaire. Il devrait nous permettre d'analyser ce tout-puissant. Ainsi, nous pourrions dire à ce Zavala ce qui cloche avec son plan. Rien ne me ferait plus plaisir. En attendant, je n'ai pas l'intention de gaspiller des opportunités pour la recherche. Vous serez donc mon assistante. Allez-y, à le temps de discuter. Plutôt ton larbin. Hein. Meurtri par sa rencontre avec les Vex, Achermir maintient Yo pour l'avant-garde et pour la science. Oh, il a un bras en métal. Disposant de très peu d'informations au sujet du vaisseau amiral de la Légion Rouge, le Tout-Puissant. Selon Achermir, en accédant au réseau des esprits tutélaires de l'âge d'or, nous pourrions récupérer des données importantes et améliorer nos chances de victoire. Choisissez votre équipement exotique et trouvez le point faible du Tout-Puissant en terminant la mission Führer. Alors, il y a quoi? Fusée impulsion, revolver, pistolet mitrailleur. 155. Trou noir. Le troisième bout d'une décharge inflige des dégâts élevés. Exploser les cibles. Munitions explosives. Mais les cibles en surbrillance. Ouais. Ça. Conducteur cryo-électrique. Subit les dégâts. Quand le conducteur cryogénique est actif, les tirs ont une chance de refermer en chaîne d'éclair de vente des munitions. Je prends ça. Voilà. Voici les jetons, alors. Fusil automatique, fusil fission, gantelet, armure de torse. Bonjour au roi du silence, c'est ça? Qu'y a-t-il? Alors... Ouais, il vaut pas le... Bon, faut aller où? Ici. Führer, la rupture de Messa de l'écho. Aider Ikora à utiliser l'esprit tutélaire sur Yo pour en savoir plus sur le Tout-Puissant et inverser le cours de la guerre. Là, il y a...
chaque itération. Si je vais tout droit, je devrais tomber dessus. Là, il y a le signe. C'est un faux, ça. Secteur oublié. Allez. Aïe. Voilà, ça c'est bon, il y a celui-là. Voilà. Wow, 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 wow. Où il est?
Hop. Et on récupère le coffre. Alors. Casque. 120-123. Hop. 219-222. Ensuite... Voilà. Allez. On va à la mission principale. Alors, localiser le bunker de l'esprit tutélaire. C'est par où, c'est par là. Ah bah d'accord. Bon, c'est pas grave, on recommence. Je ne suis pas là, oubliez-moi. Oubliez-moi. Hop, munition. Ah putain. Vous y trouverez le scanner. Oui, trouvons le poste de commande de la foreuse pour ouvrir la voie. Oh, et puis il y a eux. Ils sont agaçants. Tiens, un cadeau.
Et ça, c'est de la triche, ça. Il y a un autre ? Non. Là, je suis descendu, il fallait pas. On allume. Je trouve ça incroyable que ces idiots de la Légion Rouge n'aient même pas réalisé qu'ils feraient en plein dans un bunker d'esprit de l'air. Des choses bien plus étranges que ça se produisent chaque jour. Peut-être qu'ils le savaient, hein. Je détecte une forte concentration d'énergie paracausale. Le taux de neutrinos a été multiplié par 5. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il faut faire attention aux corrompus. Vous devriez engager un traducteur, Asher. Il y a déjà un larbin, alors ça sert à quoi un traducteur? C'est de fou. Aïe! Aïe 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 aïe. Ah, ça m'aurait étonné. C'est quoi en gros? Voilà. Oh. C'est joli. C'est le seul truc joli qui est ici. Là il y a quoi? Là il y a des crocs. Gros. Hop. Ah parce qu'il y en a des invisibles aussi maintenant. Ah bah je peux sortir. C'est quoi? Alors lui, hop. Arrête de bouger. Merci. C'est qui m'attaque. Ah.
ce poste de commande. Je crois que nous avons réussi à activer la foreuse. Retournez au site de forage et entrez dans le bunker de l'esprit tutélaire. J'ai hâte de pouvoir contredire le projet de commandant. Vous vous êtes là pour le tout-puissant. Vous vous êtes là. Il y a encore ces saloperies. Viens, viens, viens. Hop. Hop. Ça, ça marche mieux avec elle. Ah. Et il y a un gros. Voilà. Ça c'est bon. Oh, hé, hey, oh. Ça suffit maintenant, hein. Là, ça m'a étonné, ça. Faut aller tout là-bas.
Nous trouvons cet esprit tutélaire. C'est bon, il n'y a plus personne. Oh, ah, il y avait une porte là. Ah, ils sont là. Bien. Ils font mal, hein. Je vous reconnecte à l'esprit tutélaire pour commencer une analyse à distance. Oui.
Nous avons vu que vous étiez connecté. Deux secondes. Il est corrompu. Ah, mira. Pardon, je reprends des munes. Voilà. Ne pas me laisser reprendre des munes. Hein. Tué. Oui. Oula. Bah, putain. Où, là. Ah.
Vite, 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 vite. Voilà. Oulée. Allez, crève! Voilà! Ah, comment se passe l'analyse? Le tout ça est inextricablement lié à la résonance harmonique des tubes de flux magnétique du soleil. Pardon? Si Zavala fait exploser le tout puissant, le soleil risque d'exploser avec. Il faut l'en informer immédiatement. Explique-moi à nouveau, Bill. Pourquoi tes gardiens méritent-ils la lumière? Combien coûte un tel pouvoir et l'immortalité? La dévotion. L'abnégation. Mort. La mort. Explique-toi. La dévotion anime la bravoure. La bravoure qui encourage au sacrifice. Le sacrifice mène à la mort. Alors, n'hésitez pas à vous tuer. La dévotion. Le sacrifice. Je suis né faible. Exclu. Comme cela est d'usage chez les canals, on m'a mis de côté et c'est pour mort. Un ancien intellectuel aussi tombé en disgrâce m'a recueilli. Il a vu quelque chose en moi qui méritait d'être sauvé. Il m'a aidé. Il m'a tout appris. Il m'a formé au combat. En retour, j'allais devenir l'instrument de sa vengeance. Contre l'Empire qu'il avait trahi. Qui s'était trahi lui-même. Le rejet. L'humiliation, la souffrance, ça m'a rendu plus fort. J'ai tout donné, pas seulement pour être accepté, mais pour atteindre la gloire. Sous ce masque, cher guide, se trouve le visage même de la dévotion et du sacrifice. Je ne prendrai pas la lumière de force, ça reviendrait à admettre un échec. Et je ne joue jamais. Comprends-tu maintenant pourquoi je serai choisi? Je vois bien. Je vois tout ce que tu as fait. Notre mission s'allume, je viens d'être un succès. Une fois la cage terminée, nous aurons tout ce qu'il nous faut. Pour commencer à extraire la lumière. Dominus, le fruit de notre travail acharné est là, prêt à être pris. On attend maintenant tes ordres. Non,
n'est pas le seul moyen. Vieil ennemi. Je t'assure que si. Le seul moyen. Avant-garde, nouvelles activités disponibles. L'avant-garde est de retour au domaine et prépare l'assaut final pour reprendre la cité des mains de Gaul et de la Légion Rouge. Parlez avec Othorn, Zavala, Ikora et Kaidisis au domaine. Ok. Jalons mis à jour. Elle t'est posté au jamais. Ouais. Allez, autant de domaines. Conduite agressive. Il était inattendu. On va retourner voir Asher s'il a des trucs intéressants. Mais c'est pas par là. Oulet. Gardienne. Ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai eu? Fusil à fusion, fusil à fusion. C'est remarquable à quel point le tic-tac d'horloge permet de se concentrer. Ça, je verbe. Ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Un peu. Très bon. On va retourner au domaine. Que quoi qu'on fasse, on n'a aucune chance. Au contraire. Maintenant que nous sommes réunis, nous avons peut-être une chance. Tout à fait.
Mais si on détruit cette arme, ça déclencherait une réaction en chaîne qui pourrait changer le soleil en supernova. Hey, au moins on est tous ensemble. En effet. Nous connaissons l'objectif. Il faut libérer le voyageur. Je pense qu'à nous trois, avec un tas d'explosifs, on devrait y arriver. Non, j'ai toujours le téléporteur Vex. La portée est limitée, donc il faudra quand même se rapprocher un peu. Alors on entre dans la cité pour qu'il soit efficace. Mais sans lumière, lancer l'assaut sur le mur serait de la folie. À moins que... nous n'y survivrons pas. Ça peut se tenter. Comment y entrons-nous? Vous savez, le mur de la cité est comme cette étable. Plein de place pour se faufiler incognito. Il suffit de savoir où. T'es sûr que t'es pas une chasseuse? J'aime pas trop les caps. Ça se voit. Bon, bon chaud. Il va falloir que votre équipe arrive à entrer dans la cité sans déclencher l'alarme. On vous aidera, mes troupes et moi. Et on est aussi plutôt doués pour tuer ces pourritures. Osorn, ce n'est pas parce que nous sommes prêts à y laisser notre vie que vous devez faire ce sacrifice. Vous n'êtes pas... une gardienne? Vous pensez avoir le monopole du sacrifice? Oubliez-vous qu'on doit survivre sans lumière toute notre vie? Il fut un temps où cette boule blanche dans le ciel nous aidait, nous aussi. Je crois qu'il est temps de lui rendre la faveur. Gardien ou pas. Super discours, mais n'oublions pas le risque de supernova et de destruction totale. Si on peut détruire le Tout-Puissant, il faudra désactiver le canon. Ça signifie envoyer quelqu'un de confiance à bord. Il faudra se camoufler pour pouvoir traverser la flotte Cabal intacte. Cabal stocke plein de vaisseaux dans une base à proximité. Mais ça va être dur de s'y glisser. Inutile de s'y glisser. S'il y a bien une chose que m'a appris Cade, c'est qu'il faut parfois forcer l'entrée. C'est super. On se rase? Non. Je vérifie. C'est toi, Obi-Wan. Il n'y a pas assez d'espace. Hop. Si le voyageur venait à se réveiller. Bienvenue. Je vais. Hop. C'est quoi? J'ai déjà celui-là, non? Mauvaise nouvelle. Celui-là est 224. Voilà. Et, voilà. Celui-là, on va le ranger.
C'est bon, on va la ranger. C'est quoi? On récupère ça. Est-ce qu'il a des armes intéressantes? Tout devient plus intéressant quand on ajoute des explosions. Ah, fusil à fusion, revolver, fusil à impulsion, fusil à impulsion. Vous êtes vivante, gardienne. Alors combattez comme telle. Il n'y a rien, il s'agit d'une légion. Combattez la légion rouge tant que vous le pouvez, gardienne. Vous vous souvenez de cette base de balles dans le coin? C'est Humos, un des camarades de Gaulle. Les membres de la garde sanglante qui la dirige. Nous savons qu'il a accès au Tout-Puissant. Vous devrez donc vous écraser sur la base et voler le vaisseau de Thumos pour vous glisser à bord du Tout-Puissant et le neutraliser avant qu'il n'explose notre soleil. Rendez-moi service. Éliminez Thumos pendant que vous y êtes. Quand vous donnerez le signal, nous partirons pour reprendre la cité. Je dois dire que je ne pensais pas que vous reviendriez de votre virée interplanétaire et encore moins avec l'avant-garde à vos côtés. Regardez-nous. La Légion Rouge n'a aucune chance. Alors, nous avons un nouveau plan. L'avant-garde et un groupe de gardiens sans lumière vont mener une contre-attaque contre l'occupant de la cité pour tenter de libérer le voyageur. Pendant ce temps, il vous faudra désactiver l'arme destructrice de soleil du Tout-Puissant avant qu'elle n'anéantisse notre système solaire. Pour que les cabales ne nous détectent pas en approchant du Tout-Puissant, voler le vaisseau personnel de l'un des membres de la garde sanglante de Gaulle, Thumos l'indestructible. Rendez à la Légion Rouge la monnaie de sa pièce en terminant la mission revanche dans la ZM. Voilà. Nouveau jalon à jeter. Assaut. Parlez à Zavala. Nouveau jalon à jeter. Patrouille. Parlez à KD6. Nouveau jalon à jeter. Parlez à Ikora. Près des filles. C'est bon? Fusil éclaireur, bon. C'est pas intéressant. Alors j'ai accès aux assauts, accès aux patrouilles et accès aux défis. On va aller leur parler. Ça vous arrive de penser qu'il vaut mieux tout remettre au lendemain pour éviter de faire des erreurs? Ouais, moi aussi. Je suis porté volontaire pour installer un réseau de patrouilles, mais je ne l'ai pas encore fait. Je ne voudrais pas faire de bêtises, vous comprenez? C'est si important. On l'utilise pour gérer les missions à travers tout le système. Les réapprovisionnements, la reconnaissance, tout ça. Donc, je ne savais plus quoi faire. Et vous tombez à pic. Vous êtes qualifié, appliqué. Vous semblez aimer le travail bien fait. En gros, ce serait sympa que vous m'aidiez à ne pas me ridiculiser. Je vous revaudrai ça. Bon, on fait le boulot à ta place, quoi. Bon, maintenant que l'avant-garde est réunie, la priorité établie par Zavala est d'installer un nouveau réseau de balises de patrouille afin de mieux synchroniser le travail des gardiens à travers le système. Il a assigné cette tâche à KD6 qui aimerait bien s'en occuper, mais il a plein d'autres choses à faire. Pour l'avant-garde, vous comprenez. Du coup, c'est sur vous que ça tombe, comme d'habitude. Jalon mis à jour. Et des cas d'ici, ça rétablit un réseau de balises de patrouille dans les ZM. C'est quoi ça? Rapport d'éclaireur. Signale à tous les membres de l'escouade les caches de butin proches d'un. Ça c'est intéressant. Lune de Saturne, Nessos. Dure 4 heures. 4 heures, 4 heures. Ouais, ça dure que 4 heures. Okay, à la prochaine. Ensuite. Toi. Perdre la lumière fut dévastateur. Nous étions insouciants. J'étais insouciante. Tenant mon pouvoir pour acquis. Plus jamais ça. Où que vous alliez, cherchez des défis qui testeront vos limites.
Forcez-vous à progresser, sans répit. Tout ce qui se dressera entre vous et la lumière, détruisez-le. Que chaque victoire aiguise votre corps et votre esprit, et montrez à nos ennemis ce qu'est la fureur d'une gardienne. Alors, bien que votre connexion avec la lumière ait été restaurée, vous êtes loin d'avoir atteint votre vrai potentiel. Ikora est là pour vous aider, mais seulement si vous acceptez de relever les défis qui se présenteront en vous. Chaque jour de nouveaux défis vous attendent, relevez-les pour obtenir des récompenses additionnelles. Terminez 3 défis de n'importe quelle activité. On va voir un peu. Ça c'est de l'armure. Ça. Là. À partir d'aujourd'hui, j'autorise de nouveau les missions d'assaut. Ces assauts formeront l'élément central de notre défense contre nos ennemis d'aujourd'hui et de demain. Nous récupérerons des informations sur eux, traquerons les cibles prioritaires et saboterons les complots contre l'humanité. Je compte sur vous pour montrer à tous, qu'ils soient gardiens ou civils, à quoi ressemble le vrai courage. Mais vous n'y arriverez pas seul. Vous aurez besoin d'une escouade fiable pour vous épauler. Et comme dirait Cade, le travail d'équipe, ça rend le travail magique. Alors allez vous battre et rendez-nous fiers. Zavala a repris ses fonctions en tant que commandant de l'avant-garde. Il a préparé une liste de 6 prioritaires pour les missions d'assaut. Rejoignez d'autres gardiens et terminez les assauts pour éliminer de puissants ennemis avec des récompenses à la clé. Terminez 2 assauts. Au revoir. Quelque chose vous préoccupe ? Bah, ce sera pour la prochaine vidéo, les défis. Hein. Après, s'il y a l'intervention là. Assaut. Aujourd'hui, une escouade de 3 affronter les ennemis et pour redouter de l'immunité. Alors. Programme du mode assaut. Les joueurs ne peuvent pas accéder à 1 à 3 joueurs. Ah ouais, mais il faut le Xbox Live. Ça c'est quoi? Partie guidée bêta. Mais il faut le. Il faut le Xbox Live pour. On s'y habituerait presque. Ah, sur taille à les patrouilles. Tracine. Débranchez ça. Là. Ouh. Donc là c'est le. Là, c'est la mission solo. Ça c'est quoi? Patrouille. L'avant-garde utilise des balises de patrouille pour gérer les déploiements des gardiens dans tout le système solaire. Jalon patrouille. Amélioration. Équipement rare. Ça se voit. Je suis là. En partie, en tout cas. Oui, ben ce sera pour la prochaine fois. Hein. C'était tout pour aujourd'hui. Allez, salut! Ah, très bien. Regardez tous ces arbres. N'oubliez jamais.